Lecture de Karl Marx et Satan par le pasteur Richard Wurmbrand. Élément de biographie. Le pasteur Richard Wurmbrand est né à Bucarest le 24 mars 1909 et mort à Glendale en Californie le 17 février 2001. Il était de nationalité roumaine. Richard Wurmbrand est l'un des plus importants prédicateurs chrétiens du XXe siècle, fondateur de l'organisation internationale Voice of the Martyrs. Né dans une famille juive, il passe son enfance à Istanbul. Il a 9 ans quand son père meurt et sa famille revient en Roumanie lorsqu'il a 15 ans. Jeune, il est intéressé par le marxisme, il se rend à des réunions organisées secrètement par le Parti communiste roumain, alors illégal, et se rend à Moscou pour étudier les sciences politiques. Poursuivi par la police secrète, il est incarcéré à la prison de Doftana. Il abandonne plus tard ses idéaux politiques. Il se convertit au christianisme en 1938 et rejoint la mission anglicane en vue de convertir les juifs. Après la Seconde Guerre mondiale, il se fait ordonner pasteur luthérien. Accusé de prosélytisme envers l'armée rouge, il est arrêté le 29 février 1948 ainsi que sa femme Sabina en 1950. Libéré en 1956, il reprend ses prêches et est de nouveau arrêté par la Securitate en 1959. Il est condamné à 25 ans de prison et est victime de nombreuses tortures. En 1964, il sort de la prison suite à l'amnistie générale pour les détenus politiques. Ensuite, deux associations protestantes font sortir Richard Wurmbrand de Roumanie, où il était constamment sous la surveillance de la Securitate en vue d'un emprisonnement imminent. Il est donc libéré en payant une caution de 10 000 dollars. Il défend désormais les églises persécutées. Il se rend au Sénat américain en 1965, où il témoigne de la situation. En 1967, il fonde l'association Jesus to the Communist World, qui devient plus tard Voices of the Martyrs, défendant le droit des chrétiens dans les pays communistes et musulmans. Il a écrit plusieurs livres en anglais et en roumain, traduits pour la plupart en français, parmi les plus célèbres, L'Église du silence torturée pour le Christ en 1969 et Karl Marx et Satan en 1976. Ce dernier ouvrage s'est attaché à examiner la face spirituelle de Karl Marx. Chrétien convaincu dans son enfance, il est devenu antichrétien en perdant la foi. Richard Wurmbrand cite à l'appui plusieurs poèmes sataniques de Karl Marx, peu connus, écrits quand il avait 20 ans, comme La Vierge pâle. Les sources du pasteur Wurmbrand sur les poèmes sataniques de Karl Marx sont à rechercher dans le livre The Unknown Karl Marx, Documents Concerning Karl Marx, New York University Press, First Edition, 1971, écrit par Robert Payne, biographe, historien, professeur et auteur. Donc Robert Payne, qui avait fait une enquête et un livre sur le Karl Marx méconnu et notamment les poèmes sataniques de Karl Marx. Donc lecture maintenant de Karl Marx et Satan. Introduction. Avant de devenir économiste et communiste de renom, Marx était un humaniste. Aujourd'hui, le tiers de la planète est marxiste. En effet, sous une forme ou sous une autre, des quantités de gens sont marxistes, même en pays capitaliste. Jusqu'à des chrétiens, voire des hommes d'église, certains de haut rang, sont convaincus que, tout comme Jésus a donné la clé sur la manière d'aller au ciel, Marx a donné la clé sur la manière de venir en aide aux affamés, aux pauvres, aux opprimés de cette terre. Marx était profondément humain. Une idée le hantait: comment secourir les masses exploitées?
Ce qui les achemine vers l'appauvrissement, affirmait-il, c'est le capitalisme. Selon lui, une fois aboli ce système pourri, et après une période de transition sous dictature prolétarienne, l'État dépérirait et ce serait le paradis pour le travailleur. Dans la société communiste, tout le monde travaillerait, chacun suivant sa compétence, dans des usines ou des fermes appartenant à la collectivité, et chacun serait rémunéré en fonction de ses besoins. Il n'y aurait plus l'État pour gouverner les individus, plus de guerre, plus de révolution, mais seulement une fraternité universelle et perpétuelle. Cependant, pour que les masses accèdent au bonheur, il faut plus que l'abolition pure et simple du capitalisme. Marx écrit: La destruction de la religion en tant que bonheur illusoire des hommes est indispensable à leur bonheur réel. L'appel à l'abandon de leur illusion sur leur condition est un appel à l'abandon d'une condition qui a besoin d'illusion. La critique de la religion est donc la critique de cette vallée de larmes dont la religion est le halo. Introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Donc c'est une reprise de Hegel par Karl Marx. Marx était anti-religieux parce que, pour lui, la religion fait obstacle à la réalisation de l'idéal communiste qu'il considérait comme la seule solution au problème du monde. Matérialisme athée et dialectique. C'est ainsi que les marxistes expliquent leur position. Certains hommes d'Église la fondent de la même manière. Le révérend Österreicher de Grande-Bretagne déclarait dans l'un de ses sermons: Le communisme, quelles que soient actuellement ses diverses formes d'expression, est à l'origine un mouvement destiné à libérer l'homme de son exploitation par l'homme. Or, du point de vue sociologique, l'Église a été et est encore pour une large part du côté des exploiteurs. Karl Marx, dont les théories voient mal une passion authentique pour la justice et la fraternité prenant racine chez les prophètes d'Israël, haïssait la religion car elle servait d'instrument pour le maintien d'un statu quo où des enfants étaient traités en esclaves et travaillaient à en mourir pour que les autres s'enrichissent. Et cela se passait ici même en Grande-Bretagne il y a 100 ans quand on disait que la religion est l'opium du peuple, ce n'était pas une critique sans fondement. En tant que membres du corps mystique, nous devons faire amende honorable et savoir reconnaître simplement que nous avons une fameuse dette envers tout communiste. Donc, sermon du révérend Österreicher, sermon prononcé à Sainte-Marie, Fontana, Londres, 1968. Alors là, c'est le pasteur Richard Van Brandt qui parle. Quant à moi, je suis chrétien. J'aime l'humanité et je veux son bien. C'est la raison pour laquelle j'accepterai sans scrupule l'anarchie, le communisme, la démocratie ou le fascisme, si cela pouvait apporter aux hommes le bonheur. Pendant longtemps, je me suis penché sur l'œuvre de Karl Marx pour mieux comprendre son esprit. J'ai découvert au cours de cette étude un certain nombre de choses surprenantes que j'aimerais maintenant partager avec mes lecteurs. Le marxisme fait un pacte surtout à cause des succès qu'il remporte, mais au fond, les succès prouvent-ils quelque chose? Les sorciers guérisseurs en ont aussi des succès. Le succès confirme l'erreur tout autant que la vérité. Et d'ailleurs, les insuccès nous sont d'un prix inestimable. Ils ouvrent la voie à une vérité plus profonde. Aussi ferons-nous l'analyse de certaines œuvres de Marx sans tenir compte du succès qu'elles ont ou n'ont pas eu. Donc les œuvres méconnues de Karl Marx. Donc, première partie ou premier point, à la chasse de Dieu. Dans sa prime jeunesse, Karl Marx était chrétien. La première de ses œuvres écrites, du moins de celles qui nous sont parvenues, s'intitule Union du fidèle au Christ. On y trouve ce beau mot: Par l'amour dont nous aimons le Christ, nous orientons en même temps nos cœurs vers nos frères qui nous sont intimement liés et pour lesquels il s'est donné lui-même en sacrifice. Dans Marx and Engels, Collected Works, volume 1, International Publishers, New York, 1974. Marx connaissait donc un moyen pour les hommes de devenir frères entre eux, c'est le christianisme.
Il poursuit. L'union au Christ est capable de procurer l'exaltation intérieure, le réconfort dans la douleur, une confiance paisible et un cœur susceptible d'aimer humainement tout ce qui est noble et grand, non par désir d'ambition ou de gloire, mais à cause du Christ. À peu près vers la même époque, il écrit dans sa thèse Considération d'un jeune homme sur le choix d'une carrière. La religion elle-même nous enseigne que l'idéal vers lequel nous tous tendent leur effort est sacrifié lui-même pour l'humanité. Donc je répète, la religion elle-même nous enseigne que l'idéal vers lequel tous tendent leur effort s'est sacrifié lui-même pour l'humanité. Qui oserait lui opposer un démenti? Si donc nous avons choisi la situation où nous pouvons faire pour lui le maximum, nous ne pourrons jamais plus être écrasés par le fardeau, puisque ce dernier ne sera pas autre chose que les sacrifices consentis pour l'amour de tous. Il n'est conversion ni apostasie qui puisse transformer son homme à 100%. Il arrive souvent que par la suite, ses anciennes croyances ou incroyances remontent au champ de sa conscience, prouvant ainsi qu'elles n'ont pas été totalement effacées de son esprit, mais seulement refoulées dans le subconscient. L'ancien complexe chrétien apparaît en filigrane dans les écrits de Marx, longtemps après qu'il soit devenu un militant acharné contre la religion. Même dans ce livre touffu consacré à l'économie politique qu'est le capital, livre dans lequel des réflexions sur la religion sont parfaitement déplacées, Marx, le froid adversaire de la religion, écrit complètement en dehors de son sujet. Donc ça c'est dans le Capital. Le christianisme, avec son culte de l'homme abstrait, et plus particulièrement dans ses formes bourgeoises comme le protestantisme, le déisme, etc., est la forme de religion la plus parfaite. Chapitre 1, section 4. Il ne faut pas oublier que Marx a été d'abord un chrétien convaincu. À sa sortie du lycée, son certificat porte sous la rubrique « Instruction religieuse » cette appréciation. Sa connaissance de la foi et de la morale chrétienne est lucide et bien fondée. Il possède également, dans une certaine mesure, l'histoire de l'Église. Archives pour l'histoire du socialisme et le mouvement des travailleurs, 1925, donc disponible en allemand. Peu de temps après l'obtention de ce certificat, il se passe dans sa vie quelque chose de mystérieux. En effet, bien longtemps avant que Moses Hess ne l'amène en 1841 aux convictions socialistes, il était déjà devenu profondément et passionnément anti-religieux. Au cours de ses années d'études supérieures, un autre Marx avait surgi. Lui-même écrit dans un poème « Je veux me venger de celui qui règne au-dessus de nous ». Il est donc persuadé que « là-haut quelqu'un règne » et il a un grief contre lui. Pourtant, ce quelqu'un ne lui a fait aucun mal. Marx appartient à une famille relativement aisée. Il n'a pas connu la faim dans son enfance et il est plus favorisé que beaucoup de ses condisciples. Qu'est-ce qui a donc pu faire naître en lui cette haine implacable contre Dieu? Ces motifs personnels nous échappent. Faut-il en conclure que Marx, dans cette déclaration, est simplement le porte-parole d'un autre? À l'âge où tout jeune homme normal nourrit le beau rêve de faire du bien à son prochain et de se préparer à sa carrière, pour quelle raison écrit-il les vers suivants dans son poème « Invocation d'un désespéré »? Ainsi un Dieu m'a arraché mon tout. Dans les malédictions et dans les coups du sort, tous ces mondes se sont évanouis. Sans espoir de retour, et il ne me reste plus désormais que la vengeance. Je veux me bâtir un trône dans les hauteurs. Son sommet sera glacial et gigantesque. Il aura pour rempart la terreur de la superstition, pour maréchal la plus sombre douleur. Quiconque porte vers ce trône un regard saint le détournera pâle et muet comme la mort. Tombé entre les griffes d'une mortalité aveugle et frissonnante, puisse son bonheur creuser sa tombe. Dans Karl Marx, Morceau choisi, volume 1, New York, International Publishers,
1974. Les mots, je veux me bâtir un trône, et l'aveu que de celui qui est assis ne peuvent émaner qu'angoisse et terreur. N'évoque-t-il pas Lucifer et son programme? J'escaladerai les cieux plus haut que les étoiles de Dieu, j'érigerai mon trône. Isaïe, chapitre 14, verset 13. Pourquoi Marx veut-il un tel trône? Je veux me bâtir un trône. La réponse se trouve dans un drame peu connu, composé également pendant ses années d'études, intitulé Ulanem. Pour expliquer ce titre, il nous faut faire une digression. Il existe une église de Satan. L'un de ses rites est la messe noire, célébrée à minuit par un prêtre du malin, c'est-à-dire du démon. Les cierges sont placés sur les chandeliers, la tête en bas. Le prêtre est revêtu des ornements, doublure à l'extérieur. Il dit tout ce qui est prescrit dans le livre de prière, mais à rebours, en commençant par la fin. Les saints noms de Dieu, de Jésus et de Marie sont lus à l'envers. Une hostie consacrée volée dans une église reçoit l'inscription Satan et sert à une communion dérisoire. Au cours de cette messe noire, une Bible est consumée par le feu. Tous les assistants jurent de commettre les sept péchés capitaux énumérés dans le catéchisme catholique. La cérémonie se termine par une orgie. À dessein, Oulanem est l'inversion d'un nom sacré. C'est l'anagramme d'Emmanuel, nom biblique de Jésus, qui signifie en hébreu Dieu est avec nous. De tels noms inversés ont leur efficacité en magie noire. Et maintenant, nous ne serons à même de comprendre le drame d'Oulanem que si nous écoutons d'abord l'étrange confession de Marx dans son poème Le Ménestrel. Les vapeurs infernales me montent au cerveau et le remplissent jusqu'à ce que je devienne fou et que mon cœur soit complètement changé. Regarde cette épée, le prince des ténèbres me l'a vendue. Les vapeurs infernales me montent au cerveau et le remplissent jusqu'à ce que je devienne fou et que mon cœur soit complètement changé. Regarde cette épée, le prince des ténèbres me l'a vendue. Dans les rites d'initiation supérieure du culte satanique, le candidat reçoit une épée enchantée qui lui assurera le succès. Il l'achète au prix d'un pacte signé du sang pris à son poignet, selon lequel son âme après sa mort appartiendra à Satan. Voici un extrait du poème de Marx intitulé Oulanem. Il bat la mesure et donne le signal. De plus en plus hardiment, je joue la danse de la mort. Et ils sont aussi Oulanem, Oulanem, ce nom résonne comme la mort. Puis se prolonge jusqu'à s'éteindre misérablement. Arrêtez, je le tiens. Il s'élève maintenant de mon esprit, clair comme l'air, aussi consistant que mes propres os. Mais j'ai le pouvoir avec mes bras de vous écraser et de vous broyer. Vous, l'humanité personnifiée, avec la force d'un ouragan, tandis que pour nous deux, l'abîme s'ouvre béant dans les ténèbres. Vous allez y sombrer jusqu'au fond. Je vous suivrai en riant, vous susurrant à l'oreille. Descendez, venez avec moi, mon ami. La Bible que Marx avait étudiée durant ses années de lycée, et qu'il n'avait pas oublié dans sa maturité, dit que le diable serait enchaîné par un ange et précipité dans l'abîme, abyssos en grec, Apocalypse chapitre 20, verset 3. C'est dans cet abîme réservé au diable et à ses anges que Marx souhaite précipiter l'humanité tout entière. À quoi donc Marx prête-t-il sa voix dans ce drame? N'est-ce pas dépourvu de bon sens de s'attendre de la part d'un jeune étudiant à ce qu'il poursuive comme rêve de sa vie une telle vision de l'humanité, entraînée dans l'abîme des ténèbres, les ténèbres extérieures, expression biblique équivalent à l'enfer, tandis que lui-même, secoué d'un rire mauvais, suit ceux qui l'a conduit à l'incroyance? On ne trouve nulle part au monde la recherche d'un tel idéal, si ce n'est dans les rites d'initiation de l'Église de Satan, et encore dans les degrés supérieurs. Mais le moment de la mort est arrivé pour Oulanem. Écoutons ses dernières paroles. Père
Perdu, perdu, mon heure est venue, l'horloge du temps s'est arrêtée, la maison pygmée s'est effondrée. Bientôt, j'embrasserai sur mon sein l'éternité, bientôt, je proférerai sur l'humanité d'horribles malédictions. Marx aimait ce mot de Méphistophélès dans Faust. Dans l'existence, tout mérite la destruction, tout, y compris le prolétariat et les camarades. Marx, dans Le 18 Brumaire, a cité ces paroles. Staline les a prises à la lettre, allant jusqu'à détruire sa propre famille. La secte de Satan n'est pas matérialiste. Elle croit à la vie éternelle. Ulanem, personnage à qui Marx prête sa voix, ne la conteste pas. Il affirme son existence, mais elle consiste en une vie de haine poussée au paroxysme. Notons en passant que, pour les diables, éternité est synonyme de tourment. C'est ainsi que Jésus s'entendit reprocher. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Matthieu, chapitre 8, verset 29. C'est une parole de démon qui possède un homme. Marx poursuit. Ah, l'éternité, notre tourment éternel, une mort indicible et incommensurable, abjecte, artificiellement conçue pour nous narguer. Nous autres rouages aveuglement mécanisés, faits pour être les calendriers absurdes du temps et de l'espace, sans autre objet que se trouver là pour être détruits. Nous commençons un peu à comprendre ce qui était arrivé au jeune Marx. Il avait eu des convictions chrétiennes, mais il n'avait pas mené une vie conforme à ses principes. Sa correspondance avec son père fait foi des grosses sommes d'argent gaspillées dans les plaisirs et de ses perpétuelles disputes avec l'autorité de ses parents, pour ce motif et pour d'autres encore. C'est alors vraisemblablement qu'a pu avoir lieu son endoctrinement dans l'église hautement secrète de Satan, et qu'il a été initié à ses rites. Satan parle par la bouche de ses adorateurs qui le voient au cours d'hallucinations orgiaques. Et c'est ainsi que Marx n'est pas autre chose que son porte-parole lorsqu'il déclare « Je veux me venger de celui qui règne là-haut ». Écoutons plutôt la fin d'Ulanem. S'il y a quelque chose capable de détruire, je m'y jetterai à corps perdu, quitte à mener le monde à la ruine, oui, ce monde qui fait écran entre moi et l'abîme. Je le fracasserai en mille morceaux à force de malédiction. J'étreindrai dans mes bras sa réalité brutale, dans mes embrasements, il mourra sans un mot et s'effondrera dans un néant total, liquidé, sans existence, oui, la vie. Ce sera vraiment cela. Toutes ces citations sont tirées du livre de Robert Payne, The Unknown Karl Marx, Karl Marx inconnu, New York University Press, 1971. Dans Ulanem, Marx fait exactement comme le diable, il livre à la damnation toute la race humaine. C'est sans doute le seul drame au monde où tous les acteurs soient pleinement conscients de leur propre corruption, qu'ils ne craignent d'ailleurs pas d'étaler et dont ils font état avec conviction. Pas de noir et blanc. Il n'y a ici ni Claude et Ophélie, ni Iago et Desdémone. Tout est noir et révèle les traits de Méphistophélès. Tous les personnages sont des suppôts de Satan corrompus et damnés. À l'époque où il écrit cela, Marx, génie précoce, n'a pas 20 ans. Il a déjà fait le programme de sa vie. Pas un mot sur le service de l'humanité, le prolétariat, ni le socialisme. Il veut mener le monde à sa perte. Il veut se bâtir un trône qui aura pour rempart le frisson des hommes. De ce temps-là également datent certains passages à mots couverts de la correspondance échangée entre Karl Marx et son père. Le fils écrit « Le rideau est tombé, mon sein des seins s'est déchiré, et il a fallu installer de nouveaux dieux. » Ces lignes du 10 novembre 1837 sont d'un jeune homme qui, jusque-là, avait fait profession de christianisme. Il avait déclaré précédemment que le Christ était dans son cœur. Il n'en est plus ainsi désormais. Qui sont les nouveaux dieux installés à sa place? Son père lui répond:
Son père lui répond. Je me suis abstenu d'insister pour avoir une explication sur une question très mystérieuse, bien qu'elle me paraisse fort douteuse. Quelle était cette question mystérieuse? Aucun des biographes de Marx n'a encore donné l'interprétation de ces mots étranges. Werner Blumberg, dans son livre Portrait de Marx, Werner Blumberg, dans son livre Portrait de Marx, cite une lettre du père de Marx à son fils. Elle est datée du 2 mars 1837. Ton avancement, l'espoir de voir un jour ton nom hautement réputé et ton bien-être en ce monde ne sont pas les seuls désirs de mon cœur. Ce sont là, il est vrai, des rêves longtemps caressés. Je puis cependant t'assurer que leur réalisation ne m'aurait pas rendu heureux. Mais si ton cœur demeure pur, s'il bat avec humanité, et si nul démon ne réussit à le priver de ses sentiments les plus nobles, alors seulement je serai parfaitement heureux. Qu'est-ce qui a soudain poussé le père à exprimer sa crainte d'une influence démoniaque sur son jeune fils, bon chrétien jusque-là? Était-ce les pièces de verre qu'il avait reçues de lui comme cadeau d'anniversaire pour ses 55 ans? Voici une autre citation où Marx, dans son poème sur Hegel, révèle lui-même sa pensée inspirée de Hegel. J'enseigne des mots enchevêtrés dans un embrouillamini diabolique, ainsi chacun peut croire vrai ce qu'il choisit de penser. Ailleurs, dans le poème La Vierge pâle, Karl Marx avoue: Ainsi j'ai perdu le ciel, je le sais très bien, mon âme naguère fidèle à Dieu a été marquée pour l'enfer. Cela se passe de commentaires. Au début, Marx avait des ambitions d'artiste, mais ses poèmes et drames dépourvus de valeur littéraire ne connurent aucun succès. Ils sont cependant utiles pour nous dévoiler l'état de son cœur. L'échec en peinture et en architecture nous a donné un Hitler. L'échec dans le genre dramatique, un Goebbels. L'échec en philosophie et en peinture nous a valu respectivement deux autres criminels de guerre, Rosenberg et Streicher. Quant à Marx, obligé de renoncer à la poésie, il entre au nom de Satan dans une carrière révolutionnaire contre une société qui n'avait pas su apprécier ses œuvres. Évidemment, il ne s'agit là que d'un motif, entre autres, de sa révolte absolue. Une autre cause, il était méprisé en tant que juif. 2 ans plus tard, le jeune Marx écrit: La différence entre la philosophie de la nature chez Démocrite et chez Épicure, où il fait sienne dans la préface la déclaration d'Eschyle, je nourris de la haine pour tous les dieux, il atténue quelque peu cette affirmation en disant qu'il est contre tous les dieux sur terre et dans le ciel qui ne reconnaissent pas comme déité suprême la conscience de l'homme. Marx était l'ennemi déclaré de tous les dieux, lui qui avait acheté son épée au prince des ténèbres. Il s'était fixé comme but d'entraîner l'humanité tout entière dans l'abîme de perdition et de l'y rejoindre en ricanant. Marx a-t-il réellement acheté son épée à Satan? Dans un livre intitulé The Moor and the General, Remembrances about Marx and Engels, édition Dietz, Berlin, 1964, sa fille Eleanor nous dit que lorsqu'elles étaient petites, elle et ses sœurs, leur père se plaisait à leur raconter des histoires. Il y en avait une surtout qu'elle aimait entre toutes. Il y était question d'un certain Hans Rockeron. Mais laissons-lui la parole. Le récit en durait des mois et des mois, car c'était une histoire très longue et qui n'en finissait plus. Hans Rockeron était un sorcier. Il avait un magasin de jouets et beaucoup de dettes. Malgré sa qualité de sorcier, sa caisse était toujours vide, aussi fut-il contraint de vendre au diable, pièce par pièce, toutes ces jolies choses qui lui appartenaient. Plusieurs de ses aventures étaient terrifiantes et nous faisaient dresser les cheveux sur la tête. Est-ce normal qu'un père de famille parle ainsi à des jeunes enfants de choses horribles ayant trait à la vente aux démons de ce qu'ils ont de plus cher? Robert Payne, dans Marx, Simon & Schuster, New York 1968, fait allusion à cela avec abondance de détails ressemblant à ceux fournis par Eleanor.
Marx. Il insiste sur le fait que Racon, le magicien, était très malheureux et que c'est bien à contre-cœur qu'il finissait par consentir à céder ses jouets, cherchant jusqu'au dernier moment à les retenir. Mais son pacte avec le diable était signé et il n'y avait donc pas moyen d'y échapper. L'auteur ajoute: ces histoires interminables étaient, selon toute probabilité, une autobiographie. Marx avait la vision du monde propre à Satan et en avait aussi la malignité. D'ailleurs, il semble bien parfois être conscient de faire l'œuvre du mal. Donc ça, c'est le fameux Robert Paine dans son livre The Unknown Marx. Hein? Quand il terminait Oulanem et les autres écrits de jeunesse où il avoue avoir fait alliance avec le diable, Marx ne pensait pas du tout au socialisme. Il l'avait même combattu. Il était rédacteur d'une revue allemande, Rheinische Zeitung, qui n'accorde même pas de valeur théorique aux idées communistes sous leur forme actuelle et qui souhaite encore moins leur réalisation pratique, la trouvant de toute façon impossible. Des tentatives de la part des masses en vue de promouvoir ces idées communistes sont à accueillir par une canonnade dès qu'elles deviennent un danger. Donc Karl Marx ne croyait pas du tout à ces idées de socialisme et de communisme, il l'a toujours dit et redit. Hein, Marx n'est pas marxiste. Parvenu à ce stade, Marx rencontre Moses Hess, l'homme qui jouera dans sa vie le rôle le plus important, celui qui lui a fait embrasser l'idée socialiste. Mais ce n'est pas ce que dit Hess à son sujet. Docteur Marx, mon idole, qui donnera le coup de pied fatal à la religion et à la politique du Moyen Âge. Donner un coup de pied à la religion est donc son but principal. Un autre ami de Marx, à cette époque, George Young, écrit d'une manière encore plus claire en 1841, Marx va sûrement chasser Dieu de son ciel et il fera lui-même son procès. Il prétend que la religion chrétienne est l'une des plus immorales. Tiré de conversation avec Marx et Engels, un seul éditeur, Allemagne 1973. Rien d'étonnant, puisque Marx croyait que les premiers chrétiens avaient même égorgé des hommes et mangé leur chair. Telles étaient donc les prévisions de ceux qui avaient initié Marx aux arcanes du satanisme. Et il est absolument faux par conséquent qu'il nourrissait le grand idéal social d'aider l'humanité et que la religion étant à ses yeux un obstacle à la réalisation de cet idéal, il avait adopté pour cela une attitude anti-religieuse. C'est tout le contraire. Marx haïssait tous les dieux sans exception et jusqu'à la notion même de Dieu. Il s'était même porté volontaire pour chasser Dieu à coups de pied, comme Voltaire souhaitait écraser l'infâme. Le socialisme ne constitue pour lui qu'un appât pour attirer prolétaires et intellectuels à cet idéal diabolique. Lorsque les soviets au début prirent comme slogan « Chassons les capitalistes de là », idole qui donnera le coup de pied fatal à la religion et à la politique du Moyen Âge. Donner un coup de pied à la religion est donc bien son but principal. Un autre ami de Marx à cette époque, George Young, écrit d'une manière encore plus claire. Donc ça, c'est une répétition. Il doit y avoir un doublon. George Young écrit d'une manière encore plus claire en 1841. Marx va sûrement chasser Dieu de son ciel. Tatata. Voilà, bon, ça on a lu. On va passer. J'ai parlé plus haut de l'inversion. Lorsque les soviets au pouvoir prirent comme slogan « Chassons les capitalistes et de la terre de Dieu du ciel ». Chassons les capitalistes de la terre et Dieu du ciel. Voilà. Ils étaient simplement fidèles à l'héritage reçu de Marx. Alors là, c'est le pasteur qui reprend. J'ai parlé plus haut de l'inversion des noms comme procédé de la magie noire. Or, les inversions sont tellement ancrées dans la pensée de Marx qu'il en fait usage partout. Au livre de Proudhon, Philosophie de la misère, il répond par un autre qu'il intitule La misère de la philosophie. Tout ça, c'est de la dialectique, c'est les thèses, antithèses, et par-dessus, on met une synthèse, de la synthèse qui est un peu plus cachée. C'est aux gens, en fait, de découvrir cette synthèse. Voilà ce que c'est que la dialectique, c'est on propose une opposition frontale entre deux pôles, et on sait qu'il y a une synthèse au-dessus, mais on ne le dit pas aux gens qui découvrent, en fait, cette opposition. C'est à eux de comprendre qu'il y a quelque chose d'autre qui chapeaute les événements au-dessus. Voilà, donc quand on oppose philosophie de la misère à misère de la philosophie, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus de ça.
Alors là, c'est Marx qui dit, il nous faut employer, dit-il, au lieu de l'arme de la critique des armes, etc. L'aspect hirsute de Marx, avec ses cheveux et sa barbe, ne vous a-t-il jamais posé question? Les hommes de son temps portaient en général la barbe, mais pas comme la sienne, ni des cheveux aussi longs. L'allure de Marx est typique des adeptes de Johanna Southcott, prêtresse d'une secte extravagante qui prétendait être en relation avec le démon Shiloh. Alors on retrouve ça dans les conversations entre Marx et Engels. Il est curieux de constater qu'en 1814, quelques 60 ans après sa mort, le groupe de Chatham, des Southcottians, comptait dans ses rangs un militaire, James White, qui après son temps de service aux Indes, revint diriger le groupe local, répandant encore la doctrine de Johanna, en lui donnant une coloration communiste. Ça s'est tiré de James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, New York, Charles Scribner's and Sons, 1921, chapitre 11, page 756. Karl Marx ne parlait guère métaphysique en public, mais nous pouvons reconstituer sa pensée en nous référant aux hommes à qui il était associé. Parmi eux, Michel Bakounine, membre de la Première Internationale, écrivait: Satan est le premier libre penseur et sauveur de ce monde. Il libère Adam et imprime sur son front le sceau de l'humanité et de la liberté en faisant désobéir. Hein, la marque de la bête, 666. Et le fait de libérer l'homme, Satan qui libère l'homme, en fait, c'est le mythe prométhéen. Et ça, donc, cette citation de Bakounine, membre de la Première Internationale, quand il dit ça, c'est tiré de Dieu et l'État, citation des anarchistes, édité par Paul Berman, Prager Edita, New York, 1972. Donc, beaucoup de publications à New York. Bakounine ne se contente pas de faire le panégyrique de Lucifer, il a également un programme concret de révolution, mais pas pour libérer les pauvres de l'exploitation. Alors là, une autre citation. Dans cette révolution, écrit-il, il nous faudra réveiller le diable chez le peuple et exciter en lui les passions les plus viles. Cité dans Dzerzhinsky, Félix de Fer, hein, un révolutionnaire en fait juif qui avait un autre nom, révolutionnaire juif pendant révolutionnaire de 1917, révolution russe. Donc cité dans Dzerzhinsky par Monsieur Gull, Most. Publishing House, New York, et c'était publié en russe. C'est précisément avec ce Bakounine dont le programme est si étrange que Karl Marx a créé la Première Internationale. Donc vous avez effectivement tous les deux deux satanistes, et puis il parle pas de Lucifer, il parle vraiment de Satan en fait, du diable, de Lucifer et de Satan, peu importe, ils utilisent les trois termes. Bakounine dans le programme est si étrange, c'est lui qui nous révèle que Proudhon, autre grand penseur socialiste et à l'époque ami de Karl Marx, adorait Satan. Donc Satan est adoré par Proudhon, Karl Marx et Bakounine. Proudhon avait été présenté à Marx par Moses S. Moses S. qui avait tout simplement converti Marx au socialisme, bien qu'on ait compris que Marx n'était ni socialiste ni communiste, mais que c'était plus par utilitarisme. Proudhon avait été présenté à Marx par Moses S. Il avait également le même style chevelu barbu typique de la secte satanique de Johanna Southcott au XIXe siècle. Conversation avec Marx et Engels, Inselverlag, 1973, Allemagne. On peut penser aussi aux nihilistes, hein. C'est des courants qui sont pas si loin que ça. Les nihilistes qui aussi se laissaient pousser les cheveux en touffe comme ça. Dans son ouvrage sur la justice dans la Révolution et dans l'Église, Proudhon déclare que Dieu est le prototype de la justice. Vous savez, en fait, tout ça, c'est très gnostique, c'est la vision d'un Dieu bon et d'un Dieu mauvais. Ce sont tous ces révolutionnaires sont des gens essentiellement manichéens, et c'est pour ça qu'ils sont fans de dialectique. Voilà. Bon, je vais pas développer ça ici. Alors, Proudhon déclare que Dieu est le prototype de l'injustice. Nous atteignons à la connaissance malgré lui. Donc le salut par la connaissance et par la gnose. Nous nous procurons le bien-être malgré lui. Nous arrivons à la société malgré lui encore. Chaque pas en avant est une victoire où nous l'emportons sur le divin. Donc vous savez, c'est ce sens du progrès, hein, l'éthique du progrès. X
Proudhon s'exalte. Dieu est stupidité et lâcheté. Dieu est hypocrisie et fausseté. Dieu est tyrannie et pauvreté. Dieu est mauvais. Partout, l'humanité s'incline devant un autel, esclave des rois et des prêtres, elle sera condamnée. Je jure, ô Dieu, la main levée vers le ciel, que tu n'es rien d'autre que l'exécuteur de ma raison, le sceptre de ma conscience. Dieu est essentiellement anti-civilisé, anti-libéral, anti-humain. Vous imaginez, être anti-libéral. C'est amusant dans un mot quand même d'un anarchiste, d'un socialiste ou d'un universaliste. Dieu est anti-libéral. Quelque chose, hein, à méditer, ça, pour tous les gens qui sont anti-libéral et de gauche, hein, la gauche non libérale. Hein? Dieu, donc ils reconnaissent l'existence de Dieu, ils reconnaissent l'existence de Satan, et il y a une équivalence entre Dieu et Satan. Donc vous voyez, ils sont dans une dialectique manichéenne, où Dieu et Satan, en fait, se font face et sont à égalité, et on propose de faire la synthèse entre les deux, comme entre le yin et le yang. Hein? C'est-à-dire que ces gens-là, ces socialistes, ces communistes, ces anarchistes, qui sont d'ailleurs en parallèle athées, hein? Athées, c'est-à-dire contre Dieu. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en Dieu, ça veut dire qu'ils sont contre lui. Et qu'ils ont une vision de la divinité qui est particulière, une vision manichéenne, hein, et plurielle. Et donc assez panthéiste aussi. Proudhon déclare que Dieu est mauvais parce que l'homme, sa création, est mauvais. Vous voyez, Dieu, c'est le grand démiurge, celui qui nous fait tomber dans la matière, qui a créé la matière et qui nous enchaîne. Et Lucifer, le Satan, c'est le bon, celui qui vient nous libérer, c'est le Dieu bon. C'est le dieu de la lumière, de l'amour, de la sensualité. Donc Proudhon déclare que Dieu est mauvais parce que l'homme, sa création, est mauvais. Mais de telles pensées ne sont pas originales. On les trouve d'ordinaire dans les sermons du culte de Satan. Fin de la partie 1. Je m'arrête donc en haut de la page 13. Je vais reprendre dans une partie 2. À tout